Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في قناتي التعليميه فرونسي افيك حسنا لاب. اذا كما وعدتكم اليوم ان شاء الله سوف نقوم بتحضير وانجاز اول فرد مستوى الرابع ابتدائي في ماده الفرنسيه. On y va. Prenez vos cahiers et vos stylos. بسم الله على بركه الله نبدا. اذا كما تلاحظون داخل الإطار la première chose à faire c'est d'écrire le nom في يوم امتحان أول شيء تنلاحظه هو الاسم خصنا نكتبوه donc c'est nécessaire on va commencer par la compréhension de l'écrit je vais lire إذن سوف أقوم بالقراءة مع الشرح في نفس الوقت حتى يتسنى لنا إتمام الفرد إن شاء الله بكامله tous les soirs maman demande à Mimi إذن كل مساء الأم تطلب من Mimi. Qu'as-tu mangé, Mimi, à la cantine à midi? Donc, elle a dit qu'elle a mangé la cantine à midi. Mais le soir, Mimi ne s'en souvient plus. Alors, elle hésite. Mais le soir, Mimi ne s'en souvient plus. Alors, elle hésite. Donc, elle a dit qu'elle a mangé la cantine. Je ne sais plus. Des pâtes ou du riz, avec du poisson, ou peut-être du rôti. Donc, هنا ميمي مترددة ما عقلتش على اشنو كلات في الغداء. Donc, كتقول ماماها واش كليت لي بات او لا الارز او لا السمك الى اخره. Sa maman lui dit. Donc, la maman قالت ليها. Voyons, ميمي, rappelle-toi un peu mieux. Donc, قالت ليها تفكري شي شوية. Alors, pour avoir de la paix, Mimi se met à inventer. Alors, هنا باش ميمي كتسلك راسها او باش كتلقى السلام مع ماماها، دونك كتبدا تختار الاكلات اللي غادي تقترحهم على ماماها. On passe rapidement à la première question. Donc s'il vous plaît les enfants, concentrez-vous bien, ركزوا معايا وجدوا الاقلام ديالكم والدفاتر ديالكم باش تحاولوا تجاوبوا نتوما على الاسئله. D'accord, donc on va vous donner une minute de temps pour répondre à la question. Donc la première chose que nous devons faire dans l'examen, c'est que nous allons lire la question et comprendre. Si nous n'avons pas compris la question, nous ne pouvons pas donner la réponse. La première question. Lis et souligne le titre qui convient. Donc lis, écra et souligne, yani satr. Souligne. Donc قالوا عليها سولين يعني كنسطرو على لو تيتغ كي كونفيا على العنوان المناسب للنص اذا عندنا ثلاثه د الاقتراحات trois propositions une recette de poisson qu'as-tu mangé mimi le rôti brûlé donc واش وصفه ولا اكله السمك او ماذا تاكل ميمي او لو روتي brûlé يعني لو روتي محمر D'accord, donc je n'ouvre pas d'arcon le jawab ou le titre le munasib le nas. Oui, donc quelle est la réponse? Très bien, donc la réponse c'est la deuxième. Qu'as-tu mangé, Mimi? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner la deuxième réponse. Donc, à dire stro eliha, هذا هو المطلوب من السؤال الأول. Passons à la deuxième question. Lis. Et souligne la phrase du texte. Donc, on va dire les phrases. Donc, lis, yani écra et souligne. Donc, il s'agit de la même chose. On va dire la phrase qui est le texte. D'accord? Maman ne s'en souvient pas. Pardon. Mimi se souvient de son repas. Ou bien Mimi ne s'en souvient plus. Donc, on va dire le maakla la walou. Ou la Mimi aqla ala ashklat ou bien Mimi ne s'en souvient plus ou la Mimi aqlach. Donc à votre avis, quelle est la bonne réponse? Oui, très bien. Donc la réponse c'est la troisième. On va souligner la troisième phrase. Mimi ne s'en souvient plus. Donc à de la phrase qui n'a non le texte. Très bien les enfants. Maintenant on passe à la grammaire. D'accord? Donc, je lis la première question. Encadre la phrase correcte. Encadre, yani, kendiru itar, elle est le jumla as-sahiha. D'accord? Donc, avant de passer
à la question, نعطيكم ان بتي رابيل دونك غادي نذكركم سي كوا اون فراز. دونك شنو قلنا في الدرس ديال لا فراز؟ سي كوا اون فراز؟ دونك اون ا دي كو لا فراز est une suite de mots organisés. Donc, le jumla est un mجموعة من الكلمات المنظمة ou la مرتبة qui a du sens. Donc, هذيك الكلمات المرتبة لابد يكون عندها واحد المعنى. Donc, واخا تكون عندنا كلمات مرتبة ولكن ما عندهاش معنى, donc ce n'est pas une phrase. Au début, elle commence toujours par une majuscule. Donc, دائما في البداية ديالها كتبدا بلا lettre majuscule, كتبدا بحرف كبير. Et elle se termine par un point. كتنتهي بنقطة. Donc, دائما القاعدة ديال la phrase هو أنها واحد مجموعة الكلمات مرتبة عندها معنى كتبدا بماجيسكول وكتنتهي بلو بوان. D'accord? Donc, le point تقدر تكون نقطة أو علامة استفهام أو علامة تعجب أو ثلاث نقط إلى آخره. Je lis la première phrase. On dispose les verres sur un plateau. On dispose les verres sur un plateau. Donc, ada al kous plateau. D'accord? Donc, à votre avis, les enfants. Donc, choufou m'aïe mzien la phrase. Donc, chnou kouna hiya ibara al mejmou amil kalimat. Fi'ilan hadi mejmou amil kalimat. Donc, chart tani, hu an ikoun indha ma'na. On dispose les verres sur un plateau. Donc, ada al kous plateau. Donc, indha ma'na. Chart tani, ok? Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Elle commence par la majuscule. Est-ce que cette phrase commence par la majuscule? Oui, très bien. Donc, elle commence par la majuscule. Donc, je nous praline. Et elle se termine par un point. Donc, regardez bien les enfants. Est-ce que cette phrase se termine par un point? Non. Donc, le point n'existe pas. Donc, on ne va pas l'encadrer. Donc, elle est khatea. Elle est jumla khatea. D'accord? Je passe à la deuxième phrase. Et le banc à la thé menthe. Donc, s'il vous plaît, les enfants, est-ce que il s'agit là d'une phrase? Donc, je vais dire, il y a la jumla. عندنا مجموعة من الكلمات كتبدا بماجيسكول كتسالي بلو بوان ولكن واش عندها معنى دونك نو elle n'a pas de sens donc ce n'est pas une phrase on va pas l'encadrer ما غاديش ندورو عليها كذلك la troisième phrase la capitale du Maroc est Rabat la capitale du Maroc est Rabat عاصمة المغرب هي الرباط Donc, est-ce que cette phrase a un sens? Oui, cette phrase a un sens. Donc, elle est jumelée indem maintenant. D'accord? Donc, il s'agit bien d'une suite de mots. Donc, il y a ibara les majmoua amil kalimat. Donc, short ki tahqiq. Elle commence par majuscule. Oui, elle commence par majuscule. Katbda bharf kabir. Très bien. Et elle se termine par le point. D'accord? Donc, j'ai mis shorout tasawfar. Faites le jumla. Donc là, il s'agit bien d'une phrase. Donc on va l'encadrer. Donc elle dit jumla sahiha. Radin otroha. La quatrième et la dernière phrase. Reda aimait beaucoup la ville d'Agadir. Reda aimait beaucoup la ville d'Agadir. Donc Reda ahab kathiran madinat Agadir. Donc faites le jumla. Il s'agit bien d'une suite de mots. Fait une suite de mots. Elle commence par la majuscule. Oui. Elle se termine par le point. Oui. Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'il y a une fête de jumla? Reda aimait beaucoup la ville d'Agadir. Oui, il aimait la ville d'Agadir. Eh bien, oui. La phrase a un sens. Donc, il s'agit là d'une phrase correcte. Donc, ça y est, radin otroha. دونك اللي كيخصنا نفهمو من هاد ليكزيرسيس هو اننا دائما في لا فراز تنقلبو على لا ماجيسكول في لو ديبي تنقلبو على لو بوين في الاخر وخصنا نقلبو على المعنى الجمله يكون عندها واحد المعنى الا ما كانش عندها معنى دونك سو ني با اون فراز لا دوزيام كيسيون مي اون اوردر بور كونستروير اون فراز مي اون اوردر دونك ملي كنسمعو مي اون اوردر يعني ارتب
D'accord? Donc, on va نرتبوا هاد الكلمات pour construire une phrase. Donc, on est دائما مازالين في الدرس ديال la phrase. Donc, باش نكونوا جملة خصنا نرتبوا هاد الكلمات. Je lis seulement sans payer beaucoup aime. Donc il s'agit bien là d'une suite de mots. Donc hadou majmou3a mel kalimat. Donc chnou wa chart tani? Quelle est la deuxième condition باش نحصلوا على une phrase? Elle commence par la majuscule. Très bien. Donc ici, où est le mot qui commence par majuscule? Très bien, c'est seulement. D'accord? Donc je vais écrire seulement. Donc seulement c'est la première ou bien le premier mot que je dois écrire. Après, seulement c'est le sujet. Donc le sujet c'est quoi le verbe? Donc où est le verbe dans cette phrase? Sans payer, beaucoup aime. Oui, donc le verbe c'est aime. Donc Selma aime. D'accord? Selma aime. Après on va écrire beaucoup. Et par la suite, on va écrire sans payer. Pourquoi sans payer la dernière? Parce que sans payer, elle se termine par le point. Donc غتكون هي الأخيرة. D'accord? Donc c'est très facile. La deuxième liste, maman. Le petit déjeuner prépare. Donc, on va toujours commencer par le mot qui commence par la majuscule. Le mot ici qui commence par majuscule, c'est maman. Donc, maman, c'est le premier mot à écrire. D'accord? Le deuxième mot, c'est le verbe. Le verbe ici, c'est prépare. Très bien. Donc, maman prépare. Maman prépare quoi? Le petit déjeuner. Donc, maman prépare le petit déjeuner. C'est la phrase correcte. Et attention les enfants, n'oubliez pas de mettre le point à la fin. Maintenant, je passe à la troisième question. Souligne le groupe nominal sujet, noté GNS, et encadre le groupe verbal noté GV. Donc, souligne, قلنا هي سطر. غادي نسطرو في هاد الجمل على لو غروب نومينال سوجي دونك لي الاختصار ديالو هو جي ان اس وغادي انكادري دونك شنو قلنا انكادري هي نؤطر غادي نؤطرو لو غروب فيربال اذا قبل ما نجاوبو على السؤال كي خصنا نتعرفو على لو جي ان اس داكور دونك لو جي ان اس او بيان لو غروب نومينال سي اون بارتي دو لا فراز دون لاكيل اون دي دو كي او بيان دو كوا اون بارل بالعربيه تنقولو الفاعل. D'accord? Donc, donc, c'est lui qui fait l'action exprimée par le verbe. C'est le sujet du verbe. D'accord? Donc, le groupe nominal sujet. Et concernant le groupe verbal, donc, le groupe verbal, donc, on va passer le jiddin, on va passer le jiddin. Donc, on voit qu'on chauffe d'aïman le fait, ou ma wara le fait. Donc, mais le fait, c'est le nihayat le jumla. تنسميه لو غروب فيربال داكور دونك الجمله كتقسم لينا لجوج ديال لي بارتي لو غروب نومينال اللي هو اللي كيقوم بالفعل ولو غروب فيربال كيبدا من الفعل الى نهايه الجمله اون فا فوار سا انسامبل دون لي زيكزامبل جو لي لا بروميير فراز لي زيليف بارل دو لا سيفيليزاسيون ماروكين لي زيليف بارل دو لا سيفيليزاسيون ماروكين الاطفال تيتحدثوا على الحضارة المغربية. D'accord? Donc, où est le GNS dans cette phrase? Où est le groupe nominal sujet? Donc, باش كنلقاو le groupe nominal, دائما تنطرحو la question qui est-ce qui? Plus le verbe. Donc, le verbe de la phrase, c'est parle. Donc, شنو غادي نقولو? Qui est-ce qui parle de la civilisation marocaine? Oui, donc ce sont les élèves. Donc les élèves, là, on le groupe nominal sujet. Donc le jawab, le souel, dit elle-même, blour à l'arabie, il dit chkoul li ken ki yedr. Donc on met les élèves. Adin idem, quelques soulignes. Donc en stro, elle est les élèves. Maintenant, le groupe verbal.
Donc, nous connaissons le groupe verbal qui est le verbe qui est le verbe qui est le Donc, le verbe ici, c'est parle. D'accord? Donc, on va encadrer, encadre le groupe verbal, on va encadrer du verbe jusqu'à la fin de la phrase. On va faire la même chose pour la deuxième phrase. La maman prépare le repas. Donc, on a dit le sujet. Qui est-ce qui prépare le repas? Oui, c'est la maman. Donc, la maman, c'est le groupe nominal sujet. Donc, on va souligner la maman. Pour le groupe verbal, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, donc c'est du verbe jusqu'à la fin de la phrase. Le verbe, c'est la fin de la journée. Donc, le groupe verbal, c'est prépare le repas. Très bien, les enfants. La troisième question, les jeunes aiment beaucoup leur pays. Les jeunes aiment beaucoup leur pays. Donc, chebab yuhibouna kathira, beledahoum. D'accord? Donc, soual le kirsni ntrah, kanqlib daiman ala le verbe. Je nous en koulo. Qui est-ce qui aime beaucoup leur pays? Donc, je koulik yuhibou, le beled dielhoum. Ce sont les jeunes. Oui, très bien. Donc, les jeunes, c'est le groupe. Nominal sujet. Donc, on va le souligner. Pour le groupe verbal, c'est du verbe jusqu'à la fin de la phrase. C'est aime beaucoup leur pays. Très bien, les enfants. La quatrième phrase, le maître explique la leçon à ses élèves. Le maître explique la leçon à ses élèves. Donc, qui est-ce qui explique la leçon à ses élèves? C'est le maître. Donc, le maître, c'est le groupe nominal. Le groupe verbal, c'est à partir du verbe. Le verbe, c'est explique. Donc, explique la leçon à ses élèves, c'est le groupe verbal. La cinquième phrase. Ahmed regarde la télévision. Ahmed regarde la télévision. Donc, qui est-ce qui regarde la télévision? Je connais qui est-ce que le fais. Je connais où le fait. Oui, c'est Ahmed. Donc, Ahmed, c'est le groupe nominal sujet, et regarde la télévision, c'est le groupe verbal. La dernière phrase, les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis. Donc, les Maghariba, yastamilouna kathiran az-zarabi. Donc, qui est-ce qui utilise beaucoup les tapis? Ce sont les Marocains. Oui, donc les Marocains, c'est le groupe nominal sujet. Le groupe verbal, c'est utilise beaucoup les tapis. Maintenant, on passe à la conjugaison. D'accord? Donc, la première question, classe les mots dans le tableau suivant. Classe le mot dans le tableau suivant. Classe yaratib. D'accord? Classe les mots. Donc, un tibou, had kalimat fad le tableau. Je vais lire hier. Maintenant, avant, demain, aujourd'hui, en ce moment, plus tard, la semaine dernière. Donc, je me quitte pour vous mettre les kalimètes. Hier, l'barah, maintenant, l'an, avant, قبل, demain, بعد, aujourd'hui, اليوم, etc. Donc, ce sont des indicateurs de temps. Hadou mouachirat zaman. Hadoudoulina zaman. L'ouakt le dit qu'il y a fait chez ma. D'accord? Donc, quand on a fait, mettons, ou est-ce qu'on a fait le hadir, ou la fait le moustakbel, ou la fait le mardi. Est-ce qu'on est dans le passé, le présent, ou bien le futur? Donc, on va classer ces mots. Hier. Donc, quand je dis hier, l'bariha, donc c'est. Le passé, donc le passé ou le mardi. Donc, on va mettre hier dans la colonne du passé. Maintenant, l'an. Oui, c'est le présent. Avant, qabla. C'est le passé, très bien. Demain, hier, aden. Ce n'est pas le passé, mais c'est le mardi.
Ce n'est pas le présent, machi l'hadith. Donc, c'est le futur. Aujourd'hui, al-yawm, c'est le présent. Très bien, les enfants. En ce moment, fad l'atna, c'est le présent aussi. Très bien. Plus tard, fima ba'd, plus tard. Oui, c'est le futur. Donc, adi jim l'ba'd. La semaine dernière, l'usbou al-fa'it, al-farit, yani le passé composé. Donc, s'il vous plaît, les enfants, essayez d'écrire had les mots. Ksbouhom ou ksbou ma'ahom le ma'na dialhom ou hafdouhom li inna ghadin stamilhom bzaf had dour, inshallah. Donc, voilà les enfants, ghadin zlikoum la deuxième partie had le soir, inshallah had le masa, puisqu'il y a un problème de son. J'espère bien que vous avez bien compris la première partie. À très bientôt.